Bonsoir tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo ASMR ouverture de box. La société Coffre à jouets a souhaité que je vous fasse une présentation en vidéo de leur box. Que vous l'aviez deviné. Cette vidéo est un placement de produit. Je préfère vous le préciser, bien entendu. Alors, avant d'ouvrir cette box, petite présentation de celle-ci. La box ludique et gourmande. Ah. Donc nous avons de quoi jouer et de quoi déguster, selon eux. Nous vous souhaitons de belles découvertes ludiques de la part d'Antoine et Hugo. Et Hugo, pardon, excusez-moi. Merci à vous deux. Le coffre à jouer.fr, la première box du jeu de société. Petite précision sur l'arrière de l'affiche. Et d'ailleurs, avec cette vidéo, si la présentation vous aura convaincu, eh bien, vous pouvez retrouver dans la description un code de promotion si vous désirez acheter une box pour vous. Maintenant, nous allons passer à la partie la plus importante de cette vidéo, qui est bien entendu le déballage ouverture. Et je préfère vous préciser que j'attendais de faire cette vidéo pour pouvoir découvrir en même temps que vous le contenu de cette box. Nous avons deux choses très différentes dans cette box. Par contre, je vais changer l'emplacement. Attendez, c'est mieux comme ça. Eh bien, pour commencer, nous avons une carte. Alors, single card game, un jeu avec seulement une carte. Voyez voir les règles. Ce jeu vous est offert par Cyril Bouquet ainsi que Urtiste. Vous pouvez jouer de 2 à 8 joueurs. La partie dure environ 5 minutes et c'est pour les personnes âgées de plus de 5 ans ou plus. Alors, faites tourner la carte sur elle-même et passez-la au joueur sur votre gauche, qui doit la positionner rapidement et horizontalement devant sa bouche sans la regarder. Sur la carte, on le verra alors content ou pas content. Le joueur devra ensuite deviner son humeur. Tous les autres joueurs tenteront de l'aider. Ou pas s'il bluffe. À voir. Un jeu de société avec une seule carte. C'est original, on va dire. Mais cette vidéo n'est pas vraiment une vidéo avis ou test de jeux de société issus de cette box. C'est vraiment une découverte de la box en elle-même. Nous avons ici le magazine du site Le Coffre à Jouets. Jeux de société divers et de produits
biscuiterie des Venettes. Un produit 100% familial. La galette de Saint-Armel, amande et citron. Oula, oula, oula. Ça m'a l'air d'être appétissant. Je vais goûter ça tout de suite. En plus, le paquet il est assez balèze. C'est pas mauvais. Allez, j'en prends un deuxième pour le plaisir de mes oreilles. Enfin, plutôt pour le plaisir de ma langue et le plaisir de vos oreilles. Société. En plus, c'est pour cela que cette box m'intéressait, puisque avec les frangins, on joue pas mal aux jeux de société et découvrir d'autres jeux de société pour peut-être des vidéos, eh bien ce serait pas mal. Par exemple, juste ici, nous avons un jeu de société qui se nomme Million de Dollars. Enfin, Million of Dollars, plutôt. Quel est le but de ce jeu? Braquer des banques et casinos prestigieux. Mais surtout, assurez-vous d'obtenir la meilleure part du butin. Eh bien, ça me fait penser au mode arcade de Kennedy 2. Vous êtes plusieurs pour braquer des banques, voler de la drogue, et après vous pouvez essayer de récupérer la meilleure part du gâteau en tuant vos collègues ou en récupérant leur butin s'ils se font tuer ou choper par les flics. Million de dollars est un jeu de bluff, de dissimulation et de négociation qui ne laisse aucune chance au hasard. Et bien, ça m'intéresse énormément ça, puisque c'est quand même quelque chose que je déteste énormément dans les jeux de société, c'est quand le facteur chance est beaucoup trop élevé. Les joueurs vont devoir choisir secrètement leur rôle et nouer des alliances à court terme. Tous les coups sont permis en compagnie de vos complices qui seront très rapidement trahis. C'est pas mal comme principe de jeu. Alors ça, je pense que ce genre de jeu va intéresser mon père puisqu'il aime bien tout ce qui est jeu de bluff. Alors nous allons continuer la découverte de ce coffre à jouets avec un produit gastronomique. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un produit issu de l'agriculture biologique. Ça va intéresser beaucoup de monde, ça. Tiens, c'est la première fois que je vois ceci. Ce sont des brisures sapin miel eucalyptus de la confiserie Jérômoise, fabrication artisanale des Hautes-Vosges. C'est très original. Je goûterai ça après. Et d'ailleurs, je vais me reprendre une petite amande.
chose dans ce coffre. Un autre jeu de société. Le jeu se nomme Qu'est-ce qui fait ? Le jeu qui va vous faire régresser. Seul ou en équipe, réalisez les actions imposées et repérez qui est largué. J'ai pas trop compris le principe de ces actions qui vont vous faire dire qu'est-ce qui fait. Ah d'accord. On va regarder à quoi ressemble le jeu à l'intérieur. Pour celui-ci, on peut jouer de 4 à 16. Ça se joue pendant 15 minutes et c'est à partir de 8 ans. Ça dans les commentaires. Allez, c'en est terminé pour cette vidéo ASMR.